Le recrutement, faut le continuer avec le SKFC parce que Elsie, il est à Lyon, un niveau gardien, c'est un peu compliqué là. Faut. Je sais pas trop. Surtout, il n'y a pas non plus énormément quoi sur YouTube, Insta. Je connais pas trop quoi. Il n'y a pas de garde sur YouTube. Il n'y a pas de garde sur YouTube. Tu connais pas l'impact de l'impact de Vinsky Show. Ok. Bienvenue dans le Vinsky Show. Non, on va faire un générique. Ok, ça y est, It's Football, Tom et Lucas rejoignent le Vinsky FC. Un grand plaisir de vous accueillir. Bah déjà dans mon studio, comment vous trouvez? Il est beau, il est lourd, pas mal. Ouais, son machine à café. Ouais, les princes. Ah non, c'est toujours le 30 novembre 2019. Ah bah ça va. Ok. On va juste rappeler un peu comment on s'est connu entre guillemets. On envoyait des messages sur Insta. T'avais été le seul à répondre. Ouais. Ça veut dire envoyer des messages sur Insta, il va répondre. Il répond à tout le monde. Il a pas moins d'abonnés. Tout le monde. Paf. PlayStation. Salut les gars, c'est Vinsky. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des défis PlayStation FC. Mais aujourd'hui, la petite particularité, c'est qu'on a des gardiens et des bons gardiens. Lucas et Tom, salut les gars. Salut Vinsky, ça va, tranquille? Tranquillement, tranquillement. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu mes abonnés, parce que vous ne connaissez pas? On est gardien de but. Ouais. Mais on n'est pas que gardien de but. Ah, on est aussi gardien de but. Ouais. On est aussi excellent tireur de coup franc. C'est la première fois qu'on tournait ensemble. C'est la première fois. Connu tout timide. Ouais, moi, l'inconnu pour tout le monde. Mais il m'avait proposé des pains au chocolat, j'avais la dalle, j'ai dit non. J'étais timide de ouf. Ok, donc je sais pas ce qui va se passer. Julien qui fait une frappe. Oh, c'était un beau but. C'était l'un des plus beaux de la vidéo. Ouh, c'était magnifique. Trop bien. Et en fait, moi, il y a une vidéo aussi que j'avais kiffé de fou. C'était avec AP. Est-ce que vous vous souvenez? Ah ouais, AP. Avec AP, c'était lourd. Les deux frères, c'était tellement drôle. Donc là, AP avec son t-shirt TPI. Il faisait que percher des ballons, je m'en souviens. Bon bah les gars, maintenant parler un peu plus de la saison parce que là on va un peu arrêter. Parlons business, parlons du futur. Le passé, c'est le passé. Vinsky Show. Ok. Et j'étais chez moi comme ça, tu vois. Vraiment comme ça? Ouais, comme ça. Parce que je faisais du montage et souvent je fais du montage comme ça. Je reçois une notification sur Instagram, je vois Vinsky 360. Ouais. Est-ce que je peux t'appeler? Et du coup, je redresse mon cou. Je dis. Ça passe un truc bizarre, tu vois. Pourquoi il dit ça? Plus je faisais rien à ce moment-là, j'étais en montage comme ça, tu vois. Et on a discuté pendant en plus. Pas mal de temps. Ouais, on a discuté. 5h38. Non, une bonne demi-heure. Et sur les 30 minutes. Où on a parlé, t'as dû parler peut-être 29 minutes 30. Tu m'as dit, ne réponds pas tout de suite. Chut. C'est mes enfants, j'aurais fait ça. Je pouvais pas. Parle-en avec ton frère. Et dis-moi. Et reviens me voir. Et reviens me voir. Il m'a fait 30 minutes, il a parlé 29 minutes 30. Comme ça. Ok. Par contre, moi je t'ai pas dit. Chut, ne dis rien. Non. Je t'ai dit, t'es chaud ou t'es pas chaud? On y va. Ouais, on y va, vas-y, on y va. Au niveau des gardiens, si vous voulez, Elsie, qui est le gardien numéro 1, il est à Lyon, il est lyonnais. À Lyon-Paris, c'est pas tout proche. Surtout quand tu joues chaque week-end. Mmh. On s'est dit qu'il fallait des gardiens. On a aussi Gauthier qui est un numéro 2, mais je me suis dit avec l'hiver, avec les blessures, avec les mariages, on connaît, c'est le foot amateur. Surtout les mariages. Ouais. Surtout les mariages, il y en a beaucoup. Tu penses gardien? Tu penses à Ladies Football, enfin, vous êtes vraiment devenu une référence dans le domaine, je pense que là-dessus, vous êtes d'accord avec ça. Merci, on nous l'avait jamais dit. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment, c'est vrai. Ouais. Ah bon? Ouais. Bah merci. C'est vrai, grave. Même si vous étiez le profil parfait sportivement parlant, je ne vous recruterais pas si vous ne correspondiez pas au projet, vous voyez, au niveau d'état d'esprit et tout. J'en ai parlé à Julien, il m'a dit franchement, c'est une bonne idée. Vinsky Show. Ok. Maintenant, on parle un peu sportif. Parlons sportif. Directement, j'ai dit que Tom, je voulais qu'il joue en attaque. Parce que Tom, il est chaud en attaque. Et en plus, il est bon gardien au cas où s'il faut un gardien. Enfin, c'est génial. Après, c'est pas mal coach, hein, c'est Julien. Et moi, je lui ai dit, hein, tu mets Tom en attaque, enfin, en tout cas dans le secteur offensif. Ouais, moi aussi, j'en sais strictement rien, mais en tout cas. Devant. Actuellement, t'es plus en mode je veux sur le terrain que je veux dans les buts. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai l'impression que je veux. Ah, bah oui. Moi, je veux mettre des buts. Je suis gardien, oui, de base. J'ai fait 3 ans de gardien en club. Ouais. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Mmh. Moi, je voulais courir, je voulais me défouler. Parce que toi, t'es quelqu'un de. T'es hyper dynamique et tout ça. On t'imagine pas gardien quand on te voit en dehors des trucs. Ouais. Je dois bouger, donc du coup, bah. Moi, je veux jouer sur le champ. Du coup, Lucas, ce qui est ultra intéressant avec lui, c'est que tu entraînes des gardiens dans ton club. Ouais. Et ça, c'est super cool parce que je me suis dit, si on pouvait commencer un petit peu à créer un truc cool autour du gardien. On va faire plein de vidéos d'intéressants sur les gardiens. On va aussi du coup être gardien durant les matchs. Et aussi, Lucas, je lui ai demandé, est-ce que tu sais jouer sur le champ? Il m'a dit oui. Oui. Après, ce sera Julien de gérer. En tout cas, Julien sait que tu peux jouer sur le champ. Moi, je suis chaud. D'habitude, quand les gens nous voient,
ils nous disent ouais, toi t'es plus fort en frappe et Tom il est meilleur dans les buts et tout. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en expérience de club, moi j'ai fait toute ma carrière dans les buts. Ouais. Donc j'ai vraiment cette expérience des matchs, de district, de placement en termes de match, parce qu'il faut savoir que dans les buts, être fort sur des frappes et être fort en match, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est la vie, et le facteur expérience joue beaucoup. Ouais. Vous êtes à Paris et donc du coup nous à Buchelet dans les Yvelines, vous ne serez pas non plus tout le temps là, donc ça je le dis directement pour pas qu'il y ait les jours. Commentaires YouTube, ils sont où les tifs. Mais pourquoi le tif il joue pas? On sera là le plus souvent possible, ouais, mais on peut pas garantir d'être là H24 à tous les matchs. Ouais. Sky Show. Ok. Mettre à 35 buts, t'as vu? Non, vas-y, j'allais dire 27, mais 35 c'est bien, ça dépend où est-ce que je vais jouer aussi. Ouais, c'est sûr. Quand est-ce que je vais jouer? Je vais mouiller, je veux un triplé déjà. Ah oui, je veux un triplé. Bah au moins ça c'est bien parce que c'est un objectif sur un match, donc au moins tu feras tout ça pour garder la balle. C'est bon, on en a plein des ballons. Du coup, si j'ai mon triplé, ça me fait déjà 3 buts. Je me dis, je vais faire 5 matchs. Vas-y, tu sais quoi, je vais dire plus de 10 buts avec, avec les matchs de la phase D. J'aime bien faire des phases D. Tu sais quoi, je veux 2 coups francs. Ah, dans les 10 buts, 2 coups francs. 2 coups francs et un triplé. D'accord. Et 4 pénaltys. Je veux qu'on soit la meilleure défense du championnat. Pas d'accord. Mal. Pas mal. Oui, en plus, ça c'est bien parce que ça allie le fait que tu joueras des matchs gardien et le côté aussi entraîneur de gardien, en mode t'entraînes les gardiens pour la course, on se prenne pas de... Les matchs que je jouerai, je veux que au moins la moitié soit des clean sheets. Félicitations. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Tu nous as pas dit toi tes objectifs personnels. Il a pas vu venir. Moi je partais sur 8-10 buts. 10 buts, bah 10 passes des. 10-10. C'est dit, on attend, on se frappe. Et on va donner le maximum à chaque match, c'est super important. Le cri de l'équipe, c'est Common Minsk AFC, donc n'hésitez pas à taguer vos posts Insta ou tout ce qui est en rapport avec le Minsk AFC avec le hashtag Common Minsk AFC. Pouce bleu, abonnement, tout ça. Là, on va remixer un petit peu. Voilà. On le fait ou pas? Et comme on dit chez nous, d'ici là, Common Minsk AFC! Ouais, donne-moi une balle de foot, je vais jouer! Fin de ce Vin Sky Show. Alors, ça a été créé totalement à l'arrache, c'était de l'improvisation totale. Ou si vous voulez que ce concept revienne, et pourquoi pas le faire en live sur Twitch, mettez un pouce bleu pour faire des trucs vraiment cool avec le Vin Sky FC.